Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir parmi nous Éric Léauté. Bonjour Philippe. Bonjour Éric. J'ai un CAP en poche où j'ai fait 2 années, une semaine chez l'employeur, une semaine à l'école. Et après ce CAP obtenu, je suis parti avec mon bâton de compagnon et j'ai parcouru différents établissements en France et également à l'étranger. Une expérience à l'étranger qui était très très enrichissante. Et j'ai intégré une société de traiteurs, Le Nôtre, où là je suis devenu professeur de cuisine. Suite à ça, j'ai pris un restaurant à Disneyland Paris et là pendant 6 ans où j'ai apporté un peu de savoir-faire français et de technique et de goût. Voilà, à la cuisine de Disneyland Paris. Et ensuite, j'ai monté une société où là, je fais de la formation, du conseil, mais j'ai également réalisé un certain nombre de livres qui m'ont amené à faire des émissions culinaires. Et je suis sur le point d'ouvrir un restaurant et d'un atelier qui sera mon lieu. Et depuis le temps, j'attendais ce moment. Il va arriver incessamment sous peu. Que vas-tu nous faire comme recette aujourd'hui? Alors aujourd'hui, beau programme. Pour les fêtes, on va travailler le foie gras et on va apprendre à réaliser une terrine de foie gras. Alors mi-cuit, cuit en fonction des goûts, d'accord. Canard ou oie. D'accord. Donc aujourd'hui, on fera une terrine mi-cuit. Mi-cuit, on expliquera comment atteindre... On va tout dire, on va rien cacher. L'étape bien cuite. Exactement. Alors on va surtout expliquer. Alors, sur le foie gras, il y a plusieurs astuces à connaître et plusieurs gestes. Donc là, la première des choses, c'est choisir le foie gras en fonction de ce que l'on aime. Foie gras de canard, qui doit faire en général entre 400 et 600 grammes maximum, d'accord? Parce que si le foie gras est trop gros, il a été gavé trop rapidement, donc on a un foie gras qui va fondre plus rapidement. Trop de perte de graisse, d'accord. Trop de perte. Deuxièmement, on va avoir un foie qui sera d'une belle couleur, d'accord? Donc en général, on compte 16 à 18 jours de gavage. Donc ça, c'est un choix. Ça, c'est pour le foie gras de canard. Après, un foie gras d'oie, on est entre 800 et 1 kg. D'accord. 800 et 1 kg. Un foie un peu plus blanc pour d'autres utilisations. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je préfère le foie gras de canard pour un peu plus de caractère. D'accord. Ensuite, le choix. Donc, faire confiance à son volailler, ça c'est une chose. Et on va le prendre de petite taille et on va le dévenner. Alors, première chose, avant de le dévenner, le laisser à température ambiante. D'accord ? Parce qu'il faut le laisser naturellement à une température de 16 à 17 degrés pour pouvoir le dévenner correctement. D'accord. D'accord. Ensuite, on le verra par la suite dans la recette, on va le mettre dans de l'eau mais avec des glaçons pour qu'il y ait un choc thermique. Donc là, première des choses à faire, on va séparer les deux lobes. Alors, comme on peut voir, il y a dans ma main gauche ici un gros lobe et ici un petit lobe. On va mettre le petit lobe de côté que l'on va travailler tout à l'heure. Alors, vous avez remarqué, j'ai arraché, je n'ai pas coupé volontairement. D'accord. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est où se situent les veines. Première veine ici, à cet endroit-là, derrière le foie, et cette veine-là traverse tout le foie, le lobe, ouais. D'accord ? Tout le foie en traversale comme ça. Et le deuxième, ici, on la voit, c'est celle qui me permettait de tenir le petit lobe. D'accord. Elle est ici, on voit, légèrement sanguinolente. Ensuite, vous le mettez sur une planche bien propre. Je veux dire, la partie la plus épaisse ici, sur la droite si vous êtes droitier, et la partie la plus fine sur la gauche. Très important de se positionner bien à plat. On prend un couteau avec une lame longue, fine et légèrement souple. Donc un couteau de type filet de sol. Oui, filet de sol, mais pas trop souple non plus, parce que si on n'a pas l'habitude, ça risquerait de donner des formes, d'accord, et d'abîmer le foie gras. Ensuite, bien à plat. Alors, vous remarquerez qu'on met sur la partie arrondie sur la planche, d'accord, et la partie où il est. On va m'allumer le chalumeau, s'il vous plaît, Philippe. Très bien. Alors, on va chauffer légèrement la flamme. Il faut que le geste soit rapide et efficace. Et là, je me mets, pour être très simple, je me mets au milieu, ici, au milieu de mon foie gras. D'accord. Et je maintiens avec ma main gauche. Et là, d'un geste simple, je vais le couper en ayant un mouvement régulier. Voilà. Le fait d'avoir chauffé la lame, le foie gras n'accroche pas et c'est beaucoup plus rapide. Et là, je découvre tout le réseau
de veines. D'accord. Vous voyez, vous avez toutes les petites veines qui sont là. C'est très simple. On voit la qualité du foie parce qu'il n'y a pratiquement aucun hématome. Et on a sur un produit de belle qualité. Ensuite, toujours avec les mains, je vais travailler un peu le foie. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, les veines, la veine principale qui est là, elle va traverser tout le foie et on va aller la chercher là. Et on va soulever cette veine en tirant. Regardez ça. Alors, on cède légèrement avec la main gauche pour tirer ici. Alors, pourquoi j'utilise un économe ? Parce que ça évite de couper le foie, d'accord, et de l'abîmer. Je fais en sorte, évidemment, de garder les petits morceaux qui se détachent naturellement. Et là, comme mon foie est à bonne température, regardez, j'ai qu'à tirer, comme ça, et les veines se détachent toutes seules. Se détachent toutes seules. C'est ce qu'on appelle dévener. D'accord. Donc, ce qui m'importe sur le dévénage du foie gras, c'est de retirer cette veine principale. On peut le voir. Donc là, il est effectivement de très bonne qualité parce qu'il est bien blanc. Il y a des petits réseaux sanguins, mais qui ont peu d'importance. Ça, je garde de côté. Ensuite, avec l'économe, et c'est là où c'est important, et le pouce, je vais planter la pointe de l'économe ici. Si je les vois, vous voyez, on voit un petit réseau de veines, et je vais tirer dessus pour la retirer. Voilà. Et là, c'est très simple. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine d'aller triturer le foie dans tous les sens, il faut juste retirer cette veine principale. Il faut préciser que c'est important de retirer ces veines parce que lorsque votre foie sera cuit et que vous allez le trancher, si vous ne les avez pas retirées, bien, ça sera visible. Visible et surtout très désagréable au niveau du goût. Donc là, vous voyez, on tire comme ça. Donc là, on a un foie et la veine principale qui a été retirée. Et là, surtout, on a un foie qui n'a pas été abîmé et maltraité. D'accord. Moins vous allez le toucher, moins il va fondre. Une fois qu'on a fait cette opération, on va préparer ce que l'on a déjà fait ici, un saladier avec des glaçons. Vous allez mettre, s'il vous plaît Philippe, du gros sel dedans, une bonne poignée de gros sel, voilà, sur les glaçons, voilà, ça suffit, ça va aller. L'eau, les glaçons, le sel vont saisir mon foie, vont le faire blanchir. Regardez bien la couleur qu'il a maintenant et vous allez voir après le passage dans l'eau et les glaçons. Ça va le faire blanchir et ça va lui redonner une température de 2 à 3 degrés, ce qui est l'idéal pour pouvoir l'assaisonner après. D'accord. Ensuite, regardez sur celui-là, pareil. Donc là, il y avait la petite partie ici qui était attenante. Alors, évidemment, les petits bouts comme ça, on les met de côté et on les garde sans problème. Ici, j'ai la veine qui tenait la seconde veine, oui. Donc on peut considérer qu'il y a, allez, deux tiers, un tiers. Je le retourne et je le mets sur la partie coupée. Hop, je coupe là. Pas complètement. Je fais juste une incision, d'accord. Et là, je dévisse. D'accord. Et mes deux morceaux sont tenus par la veine. Par la veine. Maintenant, je pose les deux tiers sur la planche. Dans ma main droite, je tiens le tiers, tout en tirant vers la partie coupée, toujours. D'accord. Je maintiens, il faut que le geste soit simple, je m'aide avec la main droite ou la main gauche, et là, je tire, et regardez, voilà. Il y en a tout le réseau veineux qui se retire, même les toutes petites veines, d'accord. Parce que j'étais à une bonne température. Si votre foie n'est pas complètement à température, à cœur, ça peut arriver parce qu'on n'ose pas le laisser trop à l'extérieur, c'est pas grave, voyez. S'il y a du foie qui reste, on le retire des veines délicatement et on le met ici. On verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai retiré ce côté-là. Pour l'autre partie, je le retourne et je tire toujours les veines du côté de la partie coupée. J'utilise mon fameux économe pour éviter de couper. Et là, regardez, pareil, c'est un vrai jeu d'enfant. Regardez ça, si c'est beau. Et là, une fois que vous avez ce résultat, je peux vous assurer que vous avez un foie gras qui est bien dévéné. Et regardez, si je fais ça, on peut voir tout le réseau veineux ici qui est dégagé. Et il n'y a plus... Alors, effectivement, il peut rester des petites veines, mais ça n'a aucune importance. Le plus important, c'était la plus grosse. Le deuxième lobe est un petit peu différent. Alors, vous vous rappelez, quand j'ai tiré
le petit lobe du gros lobe, j'ai fait en sorte de l'arracher, ne pas le couper, justement pour pas couper toutes ses veines. Là, je m'aide avec les doigts, mais délicatement, voyez, pour dégager les veines sans les couper. Ici, j'ai des morceaux, toujours, de four, on ne sait jamais trop quoi en faire. Ils sont attachés, détachés. Avec mes pinces naturelles, ici, là, je vais, voilà, pareil, vous voyez, je vais pincer, je vais tirer, et entre mes doigts, les veines vont rester sur le lobe. Tout ça pour arriver à un résultat régulier. Et là, j'ai mes deux veines. Vous voyez, les deux réseaux de veines, sur le petit lobe. Mm-hmm. Il y a la veine qu'on considère du milieu et celle du haut. D'accord, Donc je commence par la veine du milieu, je la tiens avec ma main gauche. J'utilise toujours l'économe, très important, la partie arrondie. Et là, je pars de la base de la veine. Regardez, je mets de ce côté-là pour qu'on comprenne bien. Et je glisse mon économe vers l'extérieur. Je décolle légèrement, vous voyez, comme ça. Je pars d'ici, je pars de la base et je vais vers l'extérieur. C'est-à-dire que on dégage la veine. Je décolle, exactement, oui. On décolle la partie... Afin de dégager la veine, c'est ça. Voilà, afin de dégager la veine. Et vous allez voir, c'est le seul moyen de pouvoir retirer, et ne serait-ce que de faire ça, juste décoller. On voit toutes ces ramifications. Je vais vous les montrer, oui, exactement. Retirer, d'accord. Donc là, vous voyez, le fait de faire ça, alors, je suis parti de la veine du milieu, celle du haut, pareil, je dégage légèrement. Alors, la température, vous voyez, elle est parfaite, là, de mon foie, parce qu'elle est bien moelleuse. Voilà, là, c'est le seul moyen de bien déveiner ce petit lobe. Et là, si j'y vais délicatement, vous voyez, ici la veine du milieu, et on les voit, c'est comme une... Comme une racine. Une racine, tente, hein, d'accord. Oui. Maintenant, très simple, une fois que je les ai bien décollés, alors vous voyez, il ne faut pas hésiter, quand vous êtes là, c'est toujours si on ne gratte pas légèrement le dessus de la veine. Maintenant, ici, je prends ça, celle du milieu en premier, très important, je m'aide avec la main gauche, toujours, voilà, j'y vais délicatement, et là, je tire dessus, alors j'y vais et là, par un petit à coup, et tout au même coup. Je peux vous dire, vous avez retiré les veines. Et vous pourrez dire, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, j'ai commencé par celle du milieu. J'insiste, c'est très important. Maintenant, je vais m'occuper de celle du haut. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que celle du haut, eh ben, elle est maligne. Elle se glisse dessous. Ah, d'accord. Regardez, si je gratte légèrement celle ici, que l'on voit bien, regardez où est-ce qu'elle est. Regardez où est-ce qu'elle D'accord. est. Elle est dessous. Donc là, je suis obligé d'aller un petit peu plus gratter. Vous voyez ? Et si je tire celle-là en premier, eh ben, je vais tout arracher le réseau veineux. Donc là, pareil, une fois que j'ai décollé juste un peu, je prends la base. Et regardez ça, comme elle est en dessous. Et j'ai dégagé le terrain, j'ai plus qu'à tirer sur cette veine. Voilà. Et voilà. Très bien. Sans trop l'avoir travaillé, on le met comme ça. Et je peux vous dire qu'un produit comme ça va beaucoup moins fondre. Et on va les laisser à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Donc Eric, une demi-heure s'est écoulée. Notre foie gras a bien posé dans l'eau glacée. Alors maintenant, l'étape, Philippe, très importante, c'est... Égoutter. On peut s'apercevoir qu'après une demi-heure, regardez, mon foie est bien blanc et il a retrouvé une température. Exactement. Donc là, on va pouvoir bien le poser sur un papier absorbant, bien à plat. D'accord. Ça, c'est très important également pour avoir un bel assaisonnement. Donc on dépose bien à plat. Alors, on peut s'apercevoir que sur un lobe, on n'a pas du tout abîmé le foie, il n'y a pas de petits morceaux. Et on va pouvoir passer à l'étape assaisonnement. Alors, c'est également sur le foie et le foie gras une étape très importante. D'accord ? Parce que une fois qu'on a assaisonné le foie gras,
une fois qu'on va le mettre à cuire, après on ne peut plus revenir en arrière. Oui. C'est le principe des terrines et des pâtés. C'est le dosage en sel, en bois. Exactement. Donc là, il y a une histoire de goût, évidemment. Il y a des gens qui vont aimer plus poivré, plus salé, plus épicé. Donc ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une recette de base. D'accord ? Mm-hmm. Pour moi, ce qu'il faut vraiment pour qu'on ait un bon résultat. Après, libre à vous de pouvoir y mettre des épices, de faire un foie gras un peu plus exotique, de le personnaliser. Mais il y a des règles à respecter qui sont 4 épices indispensables pour l'assaisonnement du foie. On a le poivre, d'accord ? Alors soit du poivre blanc ou du poivre noir, pas d'importance, un bon poivre qui a du goût. En revanche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du poivre du moulin. C'est très important, en grain, vous mettez dans votre moulin à poivre et vous... Tu aurais été moulu au moment. Le moulu au moment, pour avoir très important. Tous les arômes. Exactement. Du sel fin, c'est plus facile à mélanger l'ensemble. Du sucre, très important le sucre, c'est très rare quand vous allez voir des recettes avec du sucre dans le foie gras, mais pour moi c'est indispensable pour deux raisons, pour la couleur et pour la conservation. Et de la muscade, parce que je trouve que ça fait partie des assaisonnements de base. Mais après, on peut y mettre du curry, on peut y mettre du cumin, on peut y mettre du 4 épices, du rasel hanout. Enfin, du piment d'Espelette, on est dans la région. Mais qu'est-ce que je dis ? J'ai oublié le piment d'Espelette, évidemment. Alors, du piment d'Espelette. La question, le piment, est-ce qu'il est, dans le cas du piment, est-ce qu'il remplace le poivre ? Non, en plus. Alors, d'accord. L'avantage du piment, c'est vrai, et en plus, j'espelette, on dit. Hein. C'est ça, dans la région, on dit quand on assaisonne quelque chose, on espelette avec le piment d'Espelette. On m'avait expliqué ça. Et donc, non, l'avantage du piment d'Espelette, c'est que ce n'est pas très fort. Donc, on va pouvoir en mettre en complément du poivre. En plus, d'accord. Et de l'alcool. Alors, il y a des pros, des non-alcool dans le foie gras. Moi, je n'aime pas trop mettre de l'alcool, je laisse naturel. En revanche, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire... plutôt des alcools blancs, Porto Blanc, Armagnac, pourquoi pas du whisky, on peut mettre différentes choses, à des petites quantités, vraiment petites quantités, parce que sinon ça va dénaturer votre foie. Ne jamais mettre un alcool rouge. Mm-hmm. Porto Rouge, vin, Moscatel, on peut Bagnols ou des choses comme ça, des vins doux naturels. Pourquoi ? Parce que ça va faire grisailler votre foie à la cuisson. Et d'accord. Souvent on voit le foie qui est un peu grisaillé, c'est à cause de ça. Donc d'accord. Pas d'alcool coloré, que des alcools blancs, mais à petite dose. Une fois le foie gras bien égoutté, on va pouvoir l'assaisonner, on va le mettre dans un plat, hein, pour qu'il soit bien à plat. D'accord. Très bien. Alors, on le dépose. Côté peau, plutôt sur le plat. Les petits morceaux, on les met sur le dessus en attendant. On va mettre un gros lobe. Pour avoir un bel assaisonnement. Alors, au niveau des proportions, très important. Là, on faut être assez précis, surtout pour avoir un résultat régulier. D'accord. On va mettre... On part sur 500 grammes. Hein? 500 grammes de foie. Alors, ce qu'il faut, dans l'idéal, c'est de peser le foie une fois qu'il a été déveiné. D'accord. Mais bon, là, on est sur... Et on adapte les proportions par rapport au... Donc, pour 500 grammes de foie, on a 7 grammes de sel. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mélanger tous les assaisonnements ensemble pour avoir une belle harmonie. Le sucre, donc 5 grammes. Tout à fait. On va mettre 1 gramme de poivre du moulin moulu au moment. Voilà. Le moulin à café aussi, c'est très bien. Hein, le moulin à café, c'est parfait pour avoir les arômes. La muscade, 1 demi-gramme. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est bien mélanger avant pour être sûr que ce soit... bien réparti. Et alors là, une astuce ou un geste pratique, c'est-à-dire que si vous avez 1 kg, 2 kg, ça sera mieux, parce qu'en général, on a les mains un peu humides, on va mettre ça dans le sel, et là, on n'est pas très régulier. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une couvrette, ce qu'on utilise en général pour le sucre glace. Mm-hmm. On va déposer et remplir avec la quantité d'assaisonnement. Et là, proprement, on n'aura pas les mains humides et on va pouvoir saupoudrer facilement. Saupoudrer et surtout régulièrement. Et alors, vous voyez, vous ne mettez pas trop haut, hein, parce que ça fait bien des fois d'assaisonner comme ça, mais il faut toujours être proche du produit, c'est important. Ça évite de mettre de l'assaisonnement en dehors du produit. Donc, et il faut mettre l'intégralité des assaisonnements. Exactement. Parce qu'on l'a pesé pour cette quantité de foie. Exactement, Philippe. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on met abondamment, généreusement, on assaisonne,
d'un côté, on retourne. Alors, vous voyez, ça vous permet de retourner le produit. Vous allez avoir effectivement les mains un peu humides, mais c'est pas grave. Comme on a la poudrette ici, on va pouvoir continuer et on assaisonne généreusement avec, comme le disait justement Philippe, l'intégralité. Faut pas avoir peur. Ça peut vous sembler beaucoup. Oui, ça quand vous n'avez pas l'habitude, vous allez dire ah, mais c'est pas possible, il dit n'importe quoi. Non, c'est pour un dosage parfait. C'est trompé. C'est un dosage parfait. Ça, c'est important. D'accord ? Alors, on recommence, on mélange. Parce qu'il faut savoir qu'un produit que vous allez déguster chaud va être fortement assaisonné et quand il sera dégusté froid, il perd de son intensité. Donc, faut, hein, c'est le principe. Voilà. On arrive au bout. Et en plus, si vous avez des gros morceaux, ça permet de rester à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a correctement assaisonné. Alors, je reviens, excuse-moi Eric, deux petites minutes sur le dosage. Pour ces quantités qui sont quand même très précises, nous avons à disposition une petite balance de précision qui permet de peser au centième de gramme près. C'est très important de bien respecter les dosages. Ça, c'est primordial. Une erreur de dosage fera un foie trop fade, un foie trop salé, trop poivré. Et une fois le cuit, c'est difficile à rattraper. Et si on veut mettre l'alcool, c'est à ce moment-là que l'on va éventuellement arroser, mais très peu d'alcool. D'accord ? Ici, 10 grammes. Parce que si on met trop d'alcool, d'accord, ça va dénaturer le foie, premièrement. Et deuxièmement, une fois qu'il va cuire, ça va créer un liquide au fond de la terrine. Et c'est ce qui fait que les foies ne se conservent pas non plus très longtemps. Donc, hein, faut faire très attention à ça. Et comme tu l'as dit, c'est facultatif. Et c'est facultatif, voilà. Une fois qu'on fait ça, on peut laisser mariner notre foie une nuit au réfrigérateur. Donc à couvert, on y met couvert. Un film au contact. Toujours. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on regroupe les lobes, si on veut le laisser dans le plat comme ça, d'accord, pour éviter qu'il y ait trop d'air. D'accord. Mais ce que l'on peut faire aussi, et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va le mettre directement en terrine. Et on peut le laisser mariner dans la terrine. D'accord, on s'en y touche plus après. Et comme ça, exactement, on n'y touche plus. Donc une terrine bien essuyée, propre. Alors, il ne faut pas hésiter de mettre les gros morceaux. Alors, on va mettre les gros morceaux au fond. Voilà, on fait en sorte de bien... Là, on adapte le foie à la dimension de la terrine. Effectivement. Tu le découpes avec les doigts, mais c'est normal. J'ai découpé simplement, hein, c'est bien, faut plutôt qu'un c'est couteau. Pas c'est pas déchiqueté, c'est vraiment découpé. Et alors, une chose importante, c'est vous mettez les petits morceaux au milieu, comme ça ils seront protégés. Voilà. Alors, ce que je n'aime pas trop non plus, et évitez de le faire, c'est de trop le tasser quand vous le montez comme ça, parce que rappelez-vous, on a pris soin de bien le déveiner, de le triturer. On a fait en sorte de ne pas trop l'abîmer. Et là, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on appuie dessus parce qu'on va déstructurer, on va abîmer un peu notre produit. Donc, vous voyez, on prend les morceaux juste comme ils font. Et je garde un beau lobe pour mettre sur le dessus. Et on peut même mettre, avant de le mettre au frigo maintenant, du film alimentaire afin de le protéger. On remet le couvercle, un film alimentaire, même s'il y a un couvercle, hein, c'est important. D'accord. Pour éviter que ça sèche, et on va laisser ça une nuit au réfrigérateur. D'accord, très bien. Voilà Philippe, le foie gras est resté pendant une nuit. Voilà. Alors, la règle, c'est plus il va mariner, plus on pourra le servir tôt une fois qu'il est cuit. D'accord. D'accord. On pourrait éventuellement aussi ne pas le mettre à mariner, le cuire directement. J'ai déjà fait l'expérience et ça fonctionne très très bien. Mmh. En revanche, il faudra attendre avant de déguster. Soit on le fait avant, soit on le fait après la cuisson. Que les arômes se diffusent bien dans le foie. Exactement. D'accord. On retire le film alimentaire, on met le couvercle dessus, même si le four est à basse température, c'est-à-dire 90 degrés, hein, c'est important, vaut mieux mettre un couvercle parce que ça sèche malgré tout. On le met dans un plat pour faire un bain-marie. Et on a de l'eau chaude. Donc 90 degrés à cuisson, donc une eau qui a atteint l'ébullition. On a stoppé la chaleur. Comme ça, elle est à peu près à 90 degrés déjà pour démarrer. Exactement, alors 90 degrés, thermostat 3. Hein, je pense. Ensuite, précision de la cuisson est très importante aussi dans le résultat et dans le bon résultat de notre foie gras. On va le laisser dans la terrine, four à 90 degrés on l'a dit, et on va utiliser
une sonde. Pour ça, c'est très précis et ça permet d'avoir une température, ce qu'on appelle à cœur, idéale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on cuit un foie gras, pour un foie gras mi-cuit, vous savez, qu'il soit légèrement rosé, on compte entre 48 et 50 degrés. Quand on donne cette température, c'est la température à cœur. À cœur, c'est-à-dire que la sonde, elle va être plantée au milieu, d'accord ? Et avant que la température atteigne, le foie gras sera pas cuit. Donc 48 degrés à cœur, 48-50, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on peut faire à la maison, ça permet d'avoir un foie gras mi-cuit, qui va se conserver un peu moins longtemps, mais qui sera très goûteux. Mais en général, on ne conserve pas longtemps le foie gras, on le mange tout de suite. Si on veut le faire un peu plus cuit, et on l'aime plus cuit, on veut le conserver un peu plus longtemps, on va monter un peu plus la température. Donc on sera à une température de 55, 56, 57 D'accord. degrés à cœur pour un foie gras. Il faut bien retenir ces deux températures voilà. selon la cuisson qu'on veut. 48, 50, 55, 57, voilà. Alors sur cette terrine, on a un couvercle muni d'un orifice qui nous permet justement de planter cette sonde et de contrôler vraiment la cuisson. Exactement. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a ce fil en téflon qui permet de laisser la sonde à l'intérieur du four sans que le fil fonde ou brûle. Tout à fait. Ici, on a un thermomètre donc, qui nous permet de mesurer la température. C'est un thermomètre qui est proposé par la société Matfer. Il permet également de faire un réglage. Alors ici, on va vouloir une température à cœur de 48 degrés. Donc on peut le voir, je l'ai réglé sur 48 degrés. Actuellement, à cœur, il est à 17 degrés. Donc lorsque la température sera vraiment à 48, il se mettra à sonner et on saura que notre foie gras est cuit. Il y a une alarme qui s'y on, off, voilà. Voilà. Sinon, le temps de cuisson approximatif sera de 1h30. Il faut compter 1h, 1h30. À 90 degrés. Une chose importante aussi, le positionnement dans le four. On utilise aujourd'hui généralement des fours ventilés, d'accord ? Donc la chaleur est bien répartie dans l'enceinte du four. On met au milieu du four. C'est souvent la question qu'il y a. On met la grille au milieu. Et plutôt une grille qu'une plaque parce que la chaleur va être plus diffusée. Mieux diffusée. Eric, notre cuisson est terminée. Exactement, Philippe. Regardez ça. Alors, comme toute cuisson, en général, même si le four n'est pas très haut en température, donc là, je rappelle, il était à 90 degrés, il faut toujours laisser un peu reposer notre produit avant de le travailler, enfin de le manipuler. Donc là, on retire le couvercle, ça a reposé, et on va pouvoir retirer le gras. Alors, il y a toujours un petit peu de gras, ce qui est bien, hein, ce qui est normal, ce qui va nous permettre après de pouvoir le conserver. Donc je retire le surplus de gras. Et là, on va légèrement le presser. Alors, on utilise soit des morceaux de plexiglas, soit du bois, mais attention de bien le recouvrir, bien le protéger. D'un film alimentaire pour éviter qu'il soit directement en contact du produit. On dépose notre poids dessus, on presse légèrement. Alors, on fait en sorte qu'il soit le plus régulier possible pour éviter que ça penche d'un côté ou de l'autre. Et on va pouvoir le mettre sous presse. Sous presse. Donc, ici, nous avons une presse à terrine donc, qui permet de presser les terrines de gibier ou le foie gras comme aujourd'hui. Donc, il faut appuyer légèrement et le mettre un petit peu en porte-à-faux à ce niveau-là de façon à ce que l'appui se maintienne. On peut s'apercevoir, il y a un sérum naturel qui s'échappe du foie, ça c'est de très bonne qualité. Ce que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'il sera froid, on va pouvoir retirer le plexi, on va pouvoir nettoyer, sortir le foie pour le nettoyer un peu et on remettra à la surface le gras voilà. en deux étapes. Je voulais le préciser, ce gras, il ne faut pas le jeter, on s'en sert à la fin de la recette. Surtout pas ici, il en reste, on l'utilise pour les pommes de terre. Pour cuisiner. Bien, notre foie a posé donc une nuit environ au frigo. Hein. Oui, c'est l'idéal. Hein. C'est une nuit pour qu'il soit bien froid. Il faut vraiment qu'il ait repris une température bien froide pendant une nuit à peu près 3 degrés. Donc là, on va pouvoir retirer donc, la presse. Voilà, merci. Et on va faire en sorte de retirer la presse. On s'aperçoit qu'il est bien plat. Une chose importante, c'est qu'on va prendre le dos d'une cuillère, je trouve que c'est le plus approprié, et on va bien l'égaliser et éventuellement retirer le surplus de gras. Voilà. Donc on nettoie bien les bords de la terrine. Bien nettoyer. C'est important pour, si on veut le conserver, c'est important aussi pour la découpe après. On fait en sorte, et pour l'hygiène, d'essuyer sans humidifier
le bord de la terrine. Mm-hmm. Voilà, assez comme ça. Et on va pouvoir remettre la graisse que l'on a gardée. Hein. Alors, une chose très importante, quand vous allez remettre la graisse dessus, je vous conseille de la faire chauffer. Donc là, la graisse bien propre. Alors on fait en sorte de la passer s'il y a des petites impuretés. On prend une louche pour travailler proprement. Le foie gras est bien froid, enfin la terrine est bien froide. Et on fait en sorte de prendre la graisse chaude. Et on va la mettre en deux fois. Bien à la surface. Première fois, à peu près 2-3 mm. Bien chaude, ce qui va permettre de si on peut dire, stériliser juste la surface du foie. Et on va mettre ça au réfrigérateur. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait de refroidir, la graisse va légèrement se contracter et va laisser passer un peu d'air. Mm-hmm. Donc, si on veut conserver notre foie suffisamment longtemps, on va remettre un peu de graisse. Alors, on la laisse une demi-heure à peu près au frigo. On la sort. Que ça fige. Exactement. Et comme il y aura des petits espaces, on va pouvoir les combler avec une deuxième couche. C'est pas une, c'est deux couches de graisse. Qui elle aussi est chaude ou le roi? C'est pas nécessaire. D'accord. C'est pas nécessaire. Il faut qu'elle soit fondue, mais pas chaude, parce que sinon elle va faire fondre la première couche. Donc là, on met le gras dessus, on essuie bien, on fait en sorte d'amener la terrine délicatement au réfrigérateur pour pas salir les côtés. On met le couvercle dessus pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent à l'intérieur et pour éviter de l'abîmer. Et on met notre couvercle dessus. Et là, si vous respectez ça, si la cuisson et de 48, entre 48 et 50, on peut au moins garder notre terrine 15 jours sans aucun problème. Ça, c'est très important. Au réfrigérateur. D'accord. C'est souvent les questions qui reviennent. Alors, le but, ce n'est pas de faire de la conservation chez vous à la maison. Sauf que je peux vous assurer que si vous avez bien respecté le déveinage, le refroidissement, la cuisson, mettre la graisse comme ça 15 jours sans aucun problème. Alors moi, je vous encourage vraiment, vraiment à vous lancer, à essayer. Il ne faut pas avoir peur des différentes techniques, des différents gestes. Je crois qu'il faut se lancer, mais pour ça, il faut bien observer. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, d'avoir des gens autour de moi qui m'ont formé, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'on n'est pas arrivé comme ça dans ce métier-là. Il faut observer, il faut être encouragé par des personnes. Et moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est la passion. De la transformation des produits et du geste. Cette terrine va être accompagnée d'un chutney. Exactement. Alors en général, on associe sucré, salé avec le foie gras. Donc on va faire un chutney d'échalote. On pourrait faire avec des oignons, mais l'échalote, c'est un peu plus doux et c'est plus raffiné. Très bien. Et bien, on se retrouve dans quelques secondes pour ce chutney. Très bien. Eric, on se retrouve maintenant pour faire le chutney d'échalote. Exactement, donc une garniture qui se marie très très bien avec le foie gras en général, ou même avec les terrines en général de viande et de gibier. Alors pour faire un chutney, on va partir sur des échalotes, belles petites échalotes, ce qu'on appelle cuisses de dinde, comme ça on peut utiliser aussi de l'échalote grise. On peut très bien aussi utiliser des oignons blancs, les petits oignons gros lots, hein, ça fonctionne très bien. Et on va mettre un certain nombre d'éléments, donc du sucre. Hein, du sucre semoule pour réaliser un sirop qu'on additionnera avec de l'eau, avec des quantités bien précises. On utilise aussi des raisins de smyr que l'on met légèrement à tremper dans de l'eau froide. Des graines de coriandre, d'accord ? Alors, plutôt choisir des petites graines de coriandre. Il existe différentes variétés, mais les plus petites que l'on va légèrement torréfier et écraser au moment. D'accord. Du sel et du vinaigre de vin vieux. Et évidemment, on n'oublie pas du piment d'Espelette. Il y aura également un peu de tomate que l'on va monder. Donc les tomates, c'est mondé dans de l'eau bouillante, 10-20 secondes, on les sort. Les rafraîchit dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson. Voilà, et on retire les peaux, on les coupe en quatre et on les épépine. Alors une chose, moi ce que j'aime pas, c'est de les faire une croix ou quoi que ce soit, on les met directement comme ça dans l'eau chaude. D'accord. Pour faire en sorte de les monder facilement et pour éviter qu'elles se gorgent trop d'eau. D'accord. D'accord. Concernant les échalotes, on va les éplucher. Alors, c'est un détail, mais on va couper les deux extrémités proprement. C'est-à-dire qu'on coupe franchement. Et ensuite, avec la pointe du couteau, on va inciser la peau sur toute la longueur. Et avec la pointe du couteau ici, regardez, vous faites comme ça. Et ça vous permet
d'éplucher les échalotes correctement. Donc on enlève la première peau. Je supporte pas les échalotes qui sont épluchées comme ça, où il y a des petits morceaux. Et en plus, ça évite d'avoir des morceaux dans notre préparation. Et donc là, on fait en sorte de bien retirer cette première peau qui est toujours un peu plus ferme. D'accord ? Et on va les couper. Alors, s'il y a deux échalotes, on les coupe, mais on va les couper d'une épaisseur bien régulière. 1 cm environ. Voilà. Donc, parce que je veux qu'il reste des morceaux dans notre préparation. Donc, vous voyez, si on peut la couper en 4, ça fonctionne très très bien. Alors, le principe est simple. C'est que là, dans un premier temps, on va retirer la peau des tomates. Donc, elles sont restées 20-30 secondes maximum. Oui, il ne faut pas plus, hein, parce que sinon, après, ça la cuit. Et on va la préparer. Le sirop avant qu'il devienne caramel. Donc une quantité de sucre que l'on met dans une, alors plutôt dans un sautoir. On peut utiliser aussi quand on fait les confitures à la maison, on peut utiliser éventuellement une casserole en cuir. Hein, ça peut fonctionner aussi parce que ça monte à une très haute température. Et on met l'eau. Donc le sucre et l'eau. Voilà, il y a 300 g de sucre, hein, il y a 12 centilitres d'eau. Tout à fait. Bien précis. On mélange à l'aide d'un fouet. On va pouvoir faire chauffer cette préparation. Ça va nous donner un sirop. On fait en sorte également de bien nettoyer. C'est important. Toujours les bords, d'accord? Quand vous faites des cuissons longues, comme ça on essuie bien les bords pour éviter que ça sèche sur les côtés et que ça caramélise. On met la température, on fait bouillir 5 minutes. Et au bout de 5 minutes de cuisson, évidemment, ça ne sera pas encore à l'état de caramel, ça sera un sirop. On y ajoutera nos échalotes à l'intérieur. Et là, on va les faire cuire longtemps, doucement, pour qu'ils obtiennent une couleur blonde. Voilà. D'accord. Alors, regardez, le sirop est fait. On pose nos échalotes dedans. Dans le sirop, je t'ai mis les échalotes, moi. Alors, on les coupe. Grossièrement, je trouve que c'est mieux, hein. Ça sera meilleur au niveau de la cuisson et du résultat. Et là, on va les faire cuire jusqu'à temps qu'ils obtiennent une belle couleur blonde. D'accord. Donc le sirop va se transformer en caramel. En caramel, avec l'essence des échalotes ou des oignons. Voilà, ça c'est très bien. Concernant les tomates, donc on retire bien la peau. On peut éventuellement garder les peaux si on veut. Petite astuce, vous mettez ces peaux comme ça dans un récipient. Quand elles sont belles, vous voyez, elles sont bien épluchées comme ça, vous les mettez dans un récipient qui va au four, vous les mettez arrosées d'huile d'olive, de sel, de sucre, et vous mettez votre four, comme on a fait le foie gras tout à l'heure, à 90 degrés, et vous laissez vos peaux, comme sécher. Ça, assécher au four. Vous mettez suffisamment d'huile d'olive, et ça vous permet d'avoir une huile de tomate, parce que toute la vitamine est dans la peau. D'accord. Et là, ensuite, on va les couper en quatre. Non, là, on voit, la tomate a été mondée, elle n'a pas été cuite, hein. Ouais. C'est juste le fait d'enlever la peau. On la coupe en 4 ou en 6. C'est plus facile après de retirer les pépins. Et là, on va prendre voilà, juste avec le pouce. On retire les pépins qui sont là. Mais on ne retire pas tout l'intérieur parce qu'il y a évidemment plein de pulpe. La pulpe, d'accord. Ouais. Donc plutôt que de retirer comme ça et d'évider la tomate, avec le pouce comme ça, on va retirer comme ça les pépins et on va concasser après notre tomate grossièrement et on l'ajoutera à notre chutney au dernier moment. D'accord. Ça va amener de l'acidité, un peu de souplesse et surtout de la couleur. D'accord. Voilà Philippe. Dans le chutney avance petit à petit. Ouais. Donc notre sirop. Ce qui s'est passé, il l'a réduit tout en cuisant l'échalote et il commence à devenir caramel. Exactement. Et là, on s'aperçoit que les échalotes ont absorbé tout le liquide. On commence à avoir une belle couleur blonde. On laisse reposer un petit peu et on va pouvoir, à ce moment-là, déglacer au vinaigre. Donc, un vinaigre de vin vieux. Très important. Hein, le vinaigre va nous amener l'acidité. Cette opération s'appelle également décuire. On est en train de décuire le caramel, c'est-à-dire de stopper la cuisson du caramel de façon à ce qu'il ne colore plus. Et là, il va se dissoudre dans le vinaigre qu'on a rajouté. Et on obtient un beau sirop
qui sera moins compacte et on va pouvoir y ajouter les tomates. Les tomates. Donc là, les tomates coupées hein, grossièrement parce que comme il y a une chaleur qui est là, elles vont compoter avec la chaleur du chutney. Très bien. On va également mettre les raisins qui ont bien trempé. Donc trempé, qu'on a égoutté. Voilà, donc on les met à l'intérieur. Ça amène de la couleur. Voilà, regardez ça, si c'est appétissant. Et on va finir avec les assaisonnements et les épices. Donc la coriandre que l'on... On va broyer légèrement. Voilà. Pas trop fin. Hein. Non, au dernier moment. Alors ce qui est agréable, c'est de retrouver des petits... petits grains, c'est pour ça que je disais qu'il faut plutôt utiliser des grains fins. On ajoute le sel, alors c'est comme dans la pâtisserie, c'est comme là, on met la quantité de sel qui est pesée, d'accord, voilà. Et on va pouvoir bien mélanger. Et une fois qu'on aura incorporé tous les ingrédients, on va remettre à cuire notre préparation. Comme ceci ? Oui, très bien. À peu près 10 à 15 minutes. Donc je mets la totalité ? Oui, oui, oui. Ah, c'est déjà joli. Hein. Je crois que l'œil est important aussi dans la recette. On voit ça. Et là, on va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Donc avec la pointe d'un couteau. Voilà. Là, on espelette, on dit. Donc voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, piment cayenne, on en mettrait évidemment un peu moins, oui. Attention. Parce que le piment d'Espelette reste relativement doux. Ouais. Et il va parfumer notre préparation. Donc là, 10 minutes de cuisson, 10-15 minutes à feu doux, parce que là, on ne veut pas avoir une cuisson trop rapide, on veut avoir quelque chose qui mijote. D'accord. Voilà, une ébullition et 15 minutes, et notre chutney sera prêt. Terminé. Est-ce qu'on servira ? Alors, une fois qu'il est cuit, on le laisse refroidir et on va pouvoir le mettre dans des bocaux ou dans un saladier, recouvert d'un film alimentaire à la surface pour pas que ça sèche, et on le conserve quelques semaines au réfrigérateur sans aucun problème. Très bien. Nous en arrivons à la phase finale qui va être le dressage. Et la dégustation après. Sous-entendu, bien sûr. Alors, oui. Dressage final, important, démoulage aussi. Hein. C'est fait partie de l'étape de la confection d'un foie gras. Donc une fois qu'il est bien froid, on va prendre la lame d'un couteau et on va légèrement décoller voilà, les côtés. On fait en sorte de bien appliquer la lame le long de la paroi de la terrine pour éviter d'abîmer le produit. On peut chauffer légèrement, si on le souhaite, avec le chalumeau, notre terrine, ce qui permet d'avoir un résultat un peu plus... Parfait. Ensuite, on va la retourner et on va la taper légèrement sur un linge pour éviter de faire trop de bruit. Voilà, histoire de décoller la terrine. D'accord. Et sans l'abîmer. Voilà, regardez ça, avec le couteau. On va ensuite pouvoir bien la lisser. Alors, on peut s'apercevoir de la cuisson, elle est bien osée. On va la retourner si on veut. On va allumer le chalumeau. Alors, précision importante, si vous voulez la conserver, si vous n'allez pas utiliser toute la terrine la première fois que vous la démoulez, profitez pour nettoyer un petit peu le bord de la terrine pour pouvoir la remettre après à l'intérieur. D'accord. C'est ce que j'expliquais. On la met bien à plat. On va pouvoir prendre un couteau un peu plus grand, parce que ce couteau-là est petit. Hein. Chaque ustensile est vraiment, doit être adapté au produit. On la chauffe légèrement et là on fait en sorte de faire des tranches. Alors si on coupe toute la terrine, autre astuce pour la découpe, on commence toujours par le milieu et on va vers les extérieurs, ce qui nous permet d'avoir des tranches régulières. D'accord. On coupe du milieu vers l'extérieur, ça c'est valable pour toutes les découpes. Voilà, on coupe. Voilà. Net. Là. Et là on peut s'apercevoir cuisson parfaite. Non, ici on l'a fait mi-cuit. Mi-cuit, exactement. On voit qu'il est bien rosé. Ensuite, je prends la lame, je coupe net. Voilà. Alors, ce que je peux faire,
c'est que je peux poser, voilà, on peut le reconstituer comme ça et le remettre, évidemment, on le remet dans la terrine. Dans la terrine. Un petit film. Un film à la surface. Ensuite, on chauffe légèrement la surface et moi j'aime bien, c'est lisser pour la présentation. On va prendre un petit peu de sel, de la fleur de sel que l'on va mettre sur le côté. Toujours un tour de moulin à poivre. On va déposer, alors, voilà, le gras vers l'extérieur, soit joli. On va pouvoir prendre un petit peu de chutney refroidi. Alors même s'il est un petit peu tiède, bah écoutez, ça peut amener un petit peu d'originalité. On fait une quenelle, simplement. Toujours accommoder ça avec une salade. Alors moi j'aime bien une salade d'herbe avec un peu de vinaigre de vin vieux ou balsamique, un peu d'huile d'olive, mais vraiment très très peu. Alors ici on a du cerfeuil, de l'aneth. Voilà, donc c'est un mélange cerfeuil, aneth, ciboulette, ce qu'on appelle une salade d'herbe. Vous la tournez entre votre pouce, l'index et le majeur et vous faites quelque chose comme ça pour toujours avoir un petit peu de hauteur. Toujours prendre un peu de hauteur, regardez ça, si c'est joli. Alors on la dispose un peu comme ça. Ici, une tranche de pain de campagne ou de la baguette juste toastée. Oui, on a fait griller. Voilà, juste toastée d'un côté. Deux tranches l'une à côté de l'autre sur le bord de l'assiette. On essuie bien et il n'y a plus qu'à le déguster, mais à température ambiante, c'est important. Il ne faut pas que le foie gras soit trop froid avant de déguster. Très bien. Voilà, Philippe. Merci beaucoup, Eric. Ben merci. J'espère qu'on retrouvera ta recette sur les tables de nos réveillons. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ben merci beaucoup. Merci de l'invitation.